muscles piriformes, origine de la partie antérieure du sacrum, et sort par le grand échancre sciatique pour s'insérer sur le grand trochanter. Alors, pour le palper, je dois repérer l'angle inférolatéral du sacrum et le sulcus sacré. Donc, c'est le point d'origine, on va dire, et le muscle piriforme s'en vient comme ça vers le grand trochanter. Alors, j'ai mes loupines iliaques, j'ai mon angle inférolatéral du sacrum. Alors, mon muscle piriforme s'en vient comme ça vers le grand trochanter. Alors, je vais palper perpendiculaire au fil et voir est-ce qu'il est tendu, est-ce qu'il y a de la tension d'un côté par rapport à l'autre. S'il est bien relâché, je ne devrais pas le sentir, mais s'il est tendu, je vais le sentir.